Yahoo, on dit bonne chose, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la vidéo haul du mois de novembre. Tu vas voir, la vidéo va être assez rapide car je n'ai pas acheté grand chose. Donc si la suite t'intéresse, continue. On va d'abord commencer avec les mangas que je ne possède plus, tout simplement parce que je les ai déjà revendus. On va avoir le tome 2 de Good Morning Little Blue Rose des éditions Akata, qui est un shoujo en 6 tomes. Et on va avoir donc du tome 2, 3 et 4 du manga Le Secret de l'Ange, qui est aussi des éditions Akata. Donc ces deux titres, je les ai déjà revendus. Et donc je ne peux pas te les présenter, j'ai oublié de faire une petite scène avant de filmer ça, avant de les envoyer. On va continuer la vidéo avec un titre que j'ai acquéri, mais je ne l'ai pas acheté. Ce n'est pas non plus un partenariat, c'est tout simplement un échange avec une abonnée. J'ai une abonnée en particulier qui m'achète très régulièrement des mangas. Et lors de mon post sur Facebook où j'ai mis ma wishlist de titres à lire pour l'année 2019, elle a vu qu'elle possédait un titre qu'elle souhaitait elle revendre ou se, entre parenthèses, débarrasser. Et que moi j'avais 4 titres en particulier qui pouvaient l'intéresser au niveau de l'achat. Donc elle m'a proposé, est-ce que Ibi, au lieu que je t'achète les titres et que toi tu me les achètes, est-ce qu'on pourrait pas faire un échange, vu qu'il y a 4 titres pour toi, il y a 4 titres pour moi, c'est à peu près équitable, qu'est-ce que tu en penses? Étant donné que j'avais déjà fait un échange avec elle, j'ai accepté volontiers et donc j'ai acquéri l'intégralité. Alors je sais pas si j'ai pas fait une bêtise parce qu'au final c'est que je suis pas trop du genre à acheter l'intégralité et après lire, mais on verra bien. C'est l'intégralité du manga Full Metal King Chevalion. Je suis pas douée pour le prononcer. Toujours est-il, c'est un manga des éditions Akata dans leur collection What the Fuck. Et c'est un titre qui date déjà un petit peu. Donc voilà, tome 1. Le tome 2. Donc le tome 3. Et le tome 4 qui a mis du temps, il me semble, à sortir. Voilà. Donc on va continuer avec le seul manga que je me suis acheté d'occasion. Et tu verras par la suite, dans la fin du mois, que je dois te poster une vidéo haul spécial yaoi. Et donc j'ai acheté pas mal de yaoi en occasion. Et je l'ai acheté, ce manga, au même endroit. Donc c'est tout simplement un easy cash. J'ai acheté donc le tome 2 de Suicide Island, qui m'a coûté 2,99€ entre grands guillemets, vu qu'il y a une promo dans ce easy cash. Donc voilà, j'ai acheté le tome 2 de Suicide Island. Pourquoi? Parce qu'il y était, parce qu'il fallait un manga de plus pour activer une certaine promo dans cette boutique. Et qu'en même temps je me suis dit que ça pouvait être intéressant déjà d'avoir les deux premiers tomes, sachant qu'il me semble que Suicide Island des éditions casées est assez difficile à trouver. Là où j'aurais pu jouer le con, c'est que j'aurais pu très bien m'acheter l'intégralité parce qu'elle y était, mais j'ai hésité parce que je n'avais pas lu le premier tome, et tu me connais, je n'aime pas trop acheter quand j'ai pas lu le premier tome l'intégralité d'une série. Maintenant je me fais plus avoir comme ça. On continue avec 4 titres que j'ai achetés, 4 titres qui sont des complétages de Crash Test. Donc je t'explique, ce sont des mangas que j'ai présentés en vidéo Crash Test. Et donc j'ai acheté la suite des volumes. Donc je vais te présenter tout ça. On va avoir d'abord le tome 6 de Shokotan. Donc Shokotan, j'avais lu les deux premiers tomes, j'avais adoré la série. Et la série est terminée en 13 tomes. Donc j'ai acheté le tome 6, par contre je n'irai pas plus loin. Je pense que le tome 6, je ne vais pas acheter l'intégralité de la série, même si je suis persuadée que j'aimerais l'intégralité. Mais je n'irai pas plus loin que d'acheter le tome 6. Et puis de toute façon je pense que je vais lire du tome 3 à 6, voire peut-être 7, pour faire une autre vidéo bilan lecture, parce que ça, il n'y a pas besoin en fait de, je pense, de lire tout d'affilée pour pouvoir suivre la série. Ensuite, en titre bien plus récent que je t'ai présenté sur la chaîne car ça date vraiment de ce mois-ci, je t'ai présenté le tome 1 de @Ellie hashtag je n'ai pas de petite amie, et le tome 2 est sorti, donc j'ai acheté le tome 2. Ensuite, encore un crash test assez récent parce que ça date vraiment de ce début d'année. Je suis désolée si j'ai un cheveu depuis tout à l'heure. J'ai l'impression de sentir un cheveu mais j'arrive pas à le choper. Bref, toujours est-il, j'ai acheté le tome 3 de Make Me Up, qui est donc un crash test que j'ai dû te présenter, si je dis pas de bêtises, en septembre. Donc c'est un manga que j'ai adoré et j'ai acheté tout simplement le tome 3. Je pense que j'irai jusqu'au tome 6, mais je n'irai pas plus loin. Et il n'y a pas le nombre de tomes parce que je crois qu'il est toujours en cours. Je ne sais plus s'il est toujours en cours ou pas, mais j'irai au moins jusqu'au tome 6 à acheter, ça c'est sûr et certain. Pour terminer ce complétage de crash test, j'ai acheté le tome 3 du manga Too Close To Me. Pareil, donc les 4 vidéos, je les aurais mis en i et en barre d'infos. Donc si tu n'as pas encore vu ces vidéos crash test, je t'invite tout simplement à les voir dans le i ou dans la barre d'infos pour si le cœur t'en dit. Donc on va commencer avec le manga L'Antiquaire et son appétit débordant.
Ensuite, j'ai pris celui-là, c'est le prochain que je vais lire, Un oisillon sur le rivage. C'est un pavé par contre celui-ci. On va avoir deux œuvres de deux mangaka que j'ai déjà présentées sur la chaîne. Déjà, on va avoir celui que j'aime ou presque de Arada. Si je dis pas de bêtises, Arada, c'est celui qui a écrit Yuru and Asa, qui était une couverture jaune pétante. Où j'avais eu un petit peu du mal avec la série, donc j'ai un petit peu peur de cette œuvre. Et on va avoir de Ovalu, je sais plus comment il faut le dire, Oval, Love Trouble. Voilà.